Maison, maison, voilà, de retour à la maison donc, cette fois-ci, c'est juré, on va aller dans le Nether, alors essayer de retrouver ce spawner à Blaze. Je me suis débarrassé des objets que je n'avais pas envie de perdre si jamais ça tourne mal dans le Nether. Il me reste un petit doute à propos de cette épée. C'est vrai qu'elle me servirait bien en cas de combat. Par contre, si je meurs, là, ça va m'énerver. Bon, je pense quand même qu'on va tenter le coup. Je vais laisser... Voilà, là, j'ai des objets un peu entamés, utilisés. Je verrai ce que j'en fais plus tard. Alors, pour affronter les Blaze, deux choses importantes... il vaut mieux avoir une protection contre le feu, sachant que les Blaze sont cracheurs de feu. Donc là j'ai ma petite potion sur moi, donc je vais pas hésiter à l'utiliser. Et deuxième chose à savoir, c'est que les Blaze n'aiment pas du tout les boules de neige, c'est même ça qui leur fait le plus de mal. Donc j'avais fait un petit stock précédemment. Donc je ne vais pas hésiter à en prendre un bon paquet. Je vais me garder un petit peu de place dans l'inventaire. Finalement les 7 je vais les laisser là. Voilà. Bah écoutez, je crois que je suis paré. Je suis paré, donc on va aller voir ça. Donc... Et là, je croise les doigts. Véritablement. Un autre outil qui peut être utile contre les Blaze, alors ça, j'ai jamais expérimenté ça moi-même, mais c'est la canne à pêche. Sachant que les Blaze ont la fâcheuse tendance à s'élever dans le ciel, ça peut permettre à la canne à pêche de les attraper et de les ramener vers soi. Voilà. Bon, ça me paraît un petit peu trop sportif pour moi, donc on va... On va laisser de côté cette technique pour aujourd'hui. Alors la seule chose que j'espère, comme je vous le disais la dernière fois, c'est que mes souvenirs sont bons. Et que cette forteresse est bien située là-bas. Alors la forteresse, j'ai quasiment aucun doute. Tiens d'ailleurs, je sais plus comment je montais là-haut, moi d'habitude. Je vais faire un escalier. J'aurais peut-être pu prendre un peu plus de cobble. Bon, ça va peut-être suffire. Si je me faisais un escalier ici, ça pourrait être pas mal. Oula, derrière. Allez, hop. Bon, je vais essayer de pas taper le zombie pigman. Allez, on va se faire un escalier en cobble. Oh. Aïe. Allez, j'ai déjà été repéré. Voilà, la forteresse est juste là. Et je suis repéré par un ou des ghasts. Alors, on va se planquer un temps. Bon, t'es où, toi? Je vous avoue... Ah, vacherie. Je vous avoue que le spawner à squelette, c'était vraiment... une superbe trouvaille. Aïe 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 aïe. Allez, t'es mort. T'es mort. Non, t'es pas mort. Ah, c'est pas vrai. Allez. Boum. Haha. Alors, où est-ce qu'il tombe? Je vois pas d'XP, hein. C'est incroyable, ça. En parlant d'XP, j'ai perdu la mienne. Temporairement, toujours ce bug. Voilà, alors, la forteresse est là.
Donc, il me semble qu'on avait l'habitude d'y entrer par là avec mon fils. Allez. Je sens que je vais pas faire long feu, hein, sans jeu de mots. Voilà, c'était par ici. Ouïouïouïouïouï. On va plutôt descendre par là. Bon, allez, je vais me préparer à boire ma potion. Dès que je vois un blaze. Et toujours du ghast qui rôde. J'aime pas ça, j'aime pas ça. Ok. Prépare-toi à boire ta potion, mon ami. Voilà, c'est là-bas. Exactement. Eh bien, allez. On n'a pas peur. En tout cas, je vais faire semblant. Donc, à force que je fasse vite, je vais essayer de limiter le taux de spawn des blazes en mettant des blocs autour du spawner. On verra plus tard si on en fait une ferme à blaze. Allez, 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 allez. Une petite, voilà, potion. Et on va courir. Et là, j'ai un ghast sur le dos. Là, c'est pas génial. Allez, on va fermer tout ça. C'est bizarre que ça ne spawn pas. Pour l'instant, écoutez. Hop, 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 alors ça y est. Vite de la boule de neige. Hop, 3, 4, 5. Non, j'en ai plus, c'est pas vrai. Voilà. Et un blaze rod, super. Pour l'instant, ça se passe très très bien. Je sens que ça va pas durer. Je sais pas pourquoi. Voilà, alors on va limiter donc. Oi oi oi, oi oi oi, t'es où, t'es où, t'es où? Il est où? Je sais pas, il est là. Non, il est pas là? Ok, il me reste 6 minutes 50 de protection contre le feu. Et voilà, ce qui devait arriver arriva, je n'ai plus. Waouh, et lâche-moi, toi. Allez, à l'épée. Ah bah finalement c'est plus efficace à l'épée hein. Bah je vais compléter par de la terre, tant pis. Voilà. Donc on va limiter comme ça. Quelque chose comme ça. Et Et là ça va être sympa pour les accueillir. Et bah je pense que je vais. Et où? Oh oh. Alors j'ai peut-être pas suffisamment bloqué. Ah, ça veut dire qu'il a spawné ailleurs. Où es-tu? Ah, puis je vais éviter de. C'est bizarre qu'il ait pas spawné ici. Où est... Il est passé où? Aïe 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 aïe. Bon, déjà. Ghast là-bas, ça c'est pas bon. C'est bizarre ça. Donc là j'ai peut-être trop limité le taux de spawn. C'est vrai que ça spawn relativement peu. Alors ce que je vais faire. Éventuellement c'est casser ça. Pas de problème. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Waouh. Si ça a creusé, ok. Voilà. Je vais remplir ça comme ça. Et là ça devrait pouvoir spawner, je pense. Ah oui! Allez, allez, B! On a dit que c'était le plus efficace. Il est où? Faut pas que je détruise le spawner par contre. Ah ouais, ça prend feu, ça c'est pas cool.
Allez. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Paf. Bon bah ça me paraît pas mal. 4 minutes. Bah je vais continuer hein. Je vais continuer. Ah là là. Ouais alors ça. Wow. Alors heureusement que la Nézarbrique est résistante visiblement aux boules. Aux boules de feu lancées par les ghasts. Allez, s'il vous plaît. Je sais pas si ça va limiter le taux de spawn de la torche, je pense pas. Ouais alors là du coup. Aïe, oulala, oulala. du coup je crois que je vais ouvrir un peu là. Bah là c'est fermé, c'est bon. Ouais. Ça ne spawn pas. Ah mais j'ai l'impression qu'il spawn au-dessus. Crotte. Bon. Ah, bon on va aller voir au-dessus. Aïe. Pas possible. Ah, ça spawn derrière en fait. Ok, ça spawn derrière. Zut. Ah oui, évidemment. Ok, bon, bah écoutez, maintenant que ça est compris, qu'il me reste plus beaucoup de temps de résistance au feu, on va repartir à la maison. Allez, cours, Forest. On repart à la maison et on va récupérer pas mal de cobble en fait. Il faut que je termine l'aménagement. Je pensais revoir un des épisodes du Let's Play de Épierre qu'il avait consacré justement à la construction d'une ferme à Blaze. Je l'ai pas encore fait, je suis pas retourné voir sa vidéo. Je le ferai peut-être, ou alors j'essaye de m'en sortir comme un grand, de faire quelques tentatives. Tu m'agaces toi tu m'agaces. Il est où? Non, pas vous. Il est où? Bon, c'est pas vrai, le voilà. Ok. Tiens, prends-toi ça, et ça, hop, et ça. Ah ah! XP ou pas XP? Pas d'XP, mais c'est pas possible! Eh! Hey. Oh là là! Comment dire? Oh, ça va pas du tout! Allez, cours, Forest! Oh punaise, c'est pas vrai! Oh! Je veux pas mourir ici, je ne veux pas. Dépêche-toi, cours. Ouah, c'est pas possible. Cours. Ouf. Ciao. Ah la vache. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, eh ben écoutez, moi j'ai rien vu en direct. Vous m'énervez les gars. Là vous m'énervez. Je veux pas dire. Punaise. Il faut que je mange. Excusez-moi, c'est l'heure du casse-croûte. Bon, et eh ben écoutez, je crois qu'on va en rester là pour aujourd'hui. ou pas, ou je reviens, mais là, il faut que je me détende un petit peu. Je retourne à la maison, c'est trop dangereux ici. C'est trop dangereux le Nether. À moins. Ah, si. Si je refais un petit détour par la maison, j'ai de la cobble, donc on va pouvoir retourner voir les Blaze.
Par contre, je sais pas quand les zombies pigmen vont se calmer. Ouais. Hello. Welcome. Welcome to my home. Wow. Ils ont une portée de frappe qui est assez impressionnante. Hein. Allez, bah viens. Coucou. Coucou. Wow. Le knockback est assez efficace, hein. Oh là. Ok, ok. Je rentre. Je rentre. Je ne peux pas rentrer. Il a des items glitchés. Impossible à récupérer. Elle est sympa cette épée, elle est sympa. Donc faut que j'évite de mourir. Je comprends pas trop le fonctionnement des zombies pigmen. Parce que eux là ont l'air relativement. Oh 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 oh. Relativement tranquille vis-à-vis de moi. Non, pas vraiment. D'accord, enfin il y en a qui sont tranquilles, il y en a d'autres qui le sont pas. Alors à moins. Oh là là là, non, non, ils sont pas du tout tranquilles en fait. Et moi non plus. Allez, viens, 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 hop, hop. Welcome, welcome. Stuck, hop. C'est bizarre quand même. C'est drop. Ah, à moins que je suis plein dans mon inventaire. Et voilà. Ok, donc on va se laisser de la neige ici. De toute façon, j'en aurais besoin. Ouais, c'est un petit coffre. On va l'agrandir. On va l'agrandir. Là, il est pas super bien placé. Bon, je vais récupérer ce qui a été droppé. Allez, lui, il est toujours là. Ok. Ouais, aïe, aïe. Soit tu m'agaces. Bon, j'espère qu'ils se sont calmés, les zombies, là. Hop. Boum. T'es où? Je te tiens. Je te tiens. Ah non, je suis pas encore bien. Non. Est-ce que je vais trop loin? Oh, excuse-moi, vieux, je t'ai touché. Je t'ai fait mal, peut-être. Donc, ce que je disais... Aïe, 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 aïe. Ce que je disais l'autre fois, c'est que grâce à ce spawner à squelette, j'ai beaucoup de flèches à, bah, à peu de frais, hein, et c'est la meilleure arme anti-ghast. Et il drop toujours rien, ou je rêve, je sais pas, je... Ok, en tout cas les zombies pigmen se sont calmés, ça c'est cool. Bon, du coup... Du coup, j'ai plus de potions. Là, ça a bien cramé, là. On va reboucher... Aïe, 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 ils sont pas calmés, mais c'est pas vrai, je comprends pas. J'ai l'impression que certains d'entre eux sont... m'en veulent. Sachant que je ne leur ai rien fait, hein, c'est bien... Un... Tout est parti d'un un malentendu. Et d'autres, j'ai l'impression, m'ignorent totalement. Bon, on va reboucher ça. On va reboucher ça. C'est vrai que je pourrais mettre de la cobble. Ouais, ouais, ouais. Bah, je ferai ça plus tard pour l'instant. On va faire ça rapidement. Voilà, hop. Alors, on va éteindre tout ça. Aïe, aïe, aïe. Allez, je finis de flamber. Ouh, ça y est. Et on se retrouve. Et voilà. De retour à la maison. Bon, j'ai fait un petit peu de rangement dans mes affaires. J'ai refait 3 potions de Fire Resistance. J'en ai pris une sur moi, j'ai pris de la cobblestone. Au niveau nage, je suis pas sûr j'aurais besoin de plus que ça. J'ai pris une canne à pêche, des fois qu'on puisse s'amuser quand même, ou tenter de s'amuser avec un blaze. Et on y retourne immédiatement. J'aimerais bien limiter la zone de spawn des blazes.
Alors la question va être de savoir, est-ce que les zombies pigmen se sont calmés ou pas? Voilà, j'ai un petit peu ouvert, j'ai agrandi le coffre, d'ailleurs j'ai rien rangé. Ouais, ben peu importe. Voilà. Donc on va y aller. Alors, on va déjà quand même tester la... Hop, hop, l'agressivité des pigmen. Ils ont l'air relativement calmes. En fait, d'accord. Ah non, c'est pas vrai, mais je sais pas. Mais non, mais non, mais non. Ok. Donc a priori, je pense qu'ils se font toucher par les projectiles des ghasts. Et ils pensent que c'est moi. Donc, disais-je. Bah donc là... Oh là là, c'est mal barré. Bah les gars, je crois qu'on va pas pouvoir... On va pas pouvoir faire grand-chose dans le Nether. Si je suis agressé... Tous les 10 mètres. Bon, allez, on va quand même tenter d'y aller. Ne pas oublier de boire la potion de protection contre le feu. Bon, j'espère qu'ils vont me laisser tranquille. Hop. Il y a du champignon rouge là, c'est bon à savoir. Bon, il faudrait que j'aménage un petit peu la route. Ça me facilitera la tâche pour... Ah, alors lui, est-ce que c'est un moyen ou un petit? Bon bah déjà, il est mort. parce que les petits à 3 tailles de Magma Cube, ces bestioles qui ressemblent au slime, les gros et les moyens... Non, je dis une bêtise, ça doit être les petits, alors qu'ils... Pourtant, il me semblait que les petits ne droppaient pas... Ne droppaient pas de magma crime. Mais je pense que je me trompe. Ok, alors. On va refaire notre petit ascenseur. En se dépêchant, on va boire la potion. C'est parti, 8 minutes tard. Est-ce qu'il faut passer par là? Je sais pas si c'est la meilleure technique en fait. Ce qu'il faut, c'est que je bouge tout ça derrière. Bon, en tout cas, on va éviter de réfléchir pendant des heures. Alors, il faut que je bouge ça. Donc là, ils ne peuvent pas spawner. En voilà un. Ok. Ok. Ce qu'il faut, c'est que je bouge tout ça. Ouais. Alors, je vais peut-être faire un truc de fou. Oui! Allez. On bouge. J'espère que vous aurez apprécié la cascade. Parce que là, ça va être suffisant. Pas sûr et certain. Bon, je ressortirai, je sais pas par où, on verra. Ouais, le spawner. Si je rajoute une rangée derrière, ça devrait suffire, je pense. J'espère. Oh, aïe, aïe, aïe. Bon, très bien, très bien. Donc maintenant, il faut que je retrouve mon chemin, moi. Il faut que je remonte par là. Il faut que je remonte par là. Pop, 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 pop. Ou alors... Zut! Zut, crotte-flûte.
J'ai failli dégommer le zombie. Ah, un magma crime. Enfin, un magma cube plutôt. Allez. Si vous pouvez me donner un petit peu de crème, justement. Ces boules de magma, ça pourrait être sympa. Et c'est les petits, en fait, qui en drop. Hein, je disais n'importe quoi tout à l'heure. Par contre, la probabilité n'est pas assurée à 100%. Je sais plus de combien elle est. Il y a peut-être une chance sur 4 pour qu'il drop une boule de magma. Bon, moi, il faut que je rentre, là. Ok, ça se passait plutôt pas mal jusqu'à maintenant. Et là, ça commence à devenir un peu compliqué. Moi, j'irais bien que c'est là-bas, hein, la maison. Ouais, ouais, c'est sûr. Est-ce que j'ai de quoi monter avec... Oh, la limite, ce sera le plus simple, quand même. Je vais monter dans le coin. Ouais, allez. On va se faire une belle colonne. Je vais utiliser de la dirt. Déjà pour le pour le décor. Ça sera moins moche, plus discret. Et puis autant que je conserve avec moi la cobble, qui est quand même beaucoup plus utile. Contre. Hello. Alors. Alors à moins que je continue. À moins que je continue. En fait, je ne sais pas à combien on en est de tournage. Bien. Il faut vraiment que je continue à protéger là derrière. On va passer par là. Ce sera peut-être plus facile finalement. Moins périlleux. Voilà. Ok, donc j'en étais là. Allez, on termine ça. Et puis ça. J'espère ne pas retomber. Ça clôturera l'épisode d'aujourd'hui. Ah, oh, 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 oh. Ah, c'est quand même sympa, je trouve. C'est sympa de pouvoir les confiner comme ça. Ça va nous permettre de récolter... Oh, 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 oh. De récolter des blaze rods facilement. Sans où. Bon, moi, mieux vaut que je ferme rapidement et on n'en parle plus. Éventuellement, je pourrais laisser une ouverture. Non, non, je vois pas de raison. De toute façon, on pourra. Alors c'est vrai qu'en hauteur, il faudrait que je ferme beaucoup plus que ça. On va peut-être fermer là. Voilà, là je fais vraiment des délimitations à vue de nez, au pif. C'est pas extrêmement important, on verra si derrière c'est pas suffisamment... si c'est pas suffisamment étendu. Bon, je vais fermer là... Ouais... Pas très agressif en fait, hein, les... Pourtant je suis bien en niveau normal. 2 minutes de résistance au feu, va pas falloir que je m'attarde trop. Bon, on va fermer comme ça. Le problème c'est que je vais pas pouvoir fermer. Ouais. J'aurais dû en prendre plus. Aïe, oula, hop hop hop. Alors. Alors, bon, on va fermer. Tac. Et... Bon, bah, c'est pas mal. C'est pas mal. On va éviter. Ah bah là. J'allais dire, on va éviter. Qu'il spawn ici. J'ai de la terre. Super. Donc, c'est vrai que c'est un bon poste d'attente ici. Ouais, là ça peut pas spawner. Ok, voilà. Bon, on en reste là pour cette fois. On va quand même rentrer à la maison. Ensemble. Allez. Accompagné d'un ghast. Sinon, ce serait pas marrant.
Au niveau résistance au feu, je suis tout bon. Voilà, l'effet est terminé. Non, pas tout à fait. C'est quoi? Une torche. Ok. Allez. Bah, ça s'est pas mal passé. Je pense que je vais bientôt avoir là suffisamment de quoi fabriquer des yeux d'Ender. Et on va pouvoir partir, je pense, à la recherche d'un bastion. Qui reste l'objectif number one. Dernière petite remarque. Je vous parlais des pierres tout à l'heure. En fait, et Pierre, bah, c'est évidemment iPierre, ce youtubeur bien connu, que j'ai toujours appelé iPierre, parce que j'ai toujours entendu les gens l'appeler iPierre. En fait, non, la prononciation exacte n'est pas iPierre, mais Épierre. Ça, je m'en suis rendu compte la première fois de la bouche d'Épierre, justement, qui prononçait son pseudo lui-même, et c'était dans le Let's Play Mécanique. Numéro 38, qui était un let's play ou un épisode de questions-réponses. Let's play mécanique numéro 38 à la 22e minute. Voilà, donc si vous voulez aller voir et plutôt entendre la prononciation officielle, je vous renvoie vers ce numéro de son let's play. Calez-vous à la minute, je sais pas, 21 minutes 50 secondes. Et vous verrez. On prononce Épierre normalement. Voilà, donc je vais tâcher de prononcer correctement. Je trouve ça toujours important de respecter les prononciations des noms des gens, même si ça n'est qu'un pseudo, mais voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je vous dis au revoir et la prochaine fois, je pense que on ira. Eh ben j'en sais rien en fait, j'en sais rien. On improvisera, je vais réfléchir à ce qu'il faut pour la suite. Et d'ici là, portez-vous bien. Nous voici de retour dans ma maison. Bye bye.